Est-ce que ça sentirait pas le nouveau téléphone là? Ouais, tout à fait, ouais. Oh là là, la qualité en plus, hein. Oh putain. Oh y a, le S9, c'est vraiment le feu, quoi, hein. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Oh là là, regardez, vous voyez tout le setup et le belloum là? Oh la vache. Attention au focus, hein. Oh y a, regardez-moi ce. Regardez-moi, oh là, un peu de bordel, hein. Il y a un peu de bordel, hein. Bon, attendez, je vais vous poser. Hop. Attendez, hein. Voilà. Oh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sympathique. Alors, qu'est-ce qui se passe, Belloum? Pourquoi tu ne nous proposes plus de vidéos? Tout ça. Pourquoi je propose plus de vidéos? Bah parce que y a l'école, les enfants, hein. Il y a l'école. L'école, ça rigole pas, hein. Moi, je chôme pas. Bon, aujourd'hui, c'est journée chômage, parce que bah, la SNCF, ils ont dit, non, tu vas pas en cours. Donc, bah, je vais pas en cours, hein. Du coup, oh putain, attendez. Il y a mon écran qui fait encore des siennes. Là, je vais pouvoir vous montrer. Oh putain, attends pas la mettre, hein. Oh, il y a mon écran qui... Il y a mon écran qui est en train de bugger là, hein, attention, hein. Attendez, du coup, hop, on va se lever, on va enlever le petit câble, hop, tac, on va le remettre, voilà. Bon alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Oh, aïe, aïe, mal au dos, hein. Bon, oh, ça n'a pas besoin. Aujourd'hui, je vous raconte une petite histoire. Bon, alors, je sais pas si je vais couper la vidéo. Ça peut être une vidéo où je fais direct. Là, je m'en bats les couilles. Je fais. C'est de l'impro, hein. C'est de l'impro. C'est Belloum, quoi. Hein. C'est pas. On n'est pas sur n'importe qui ici. Bon, du coup, aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vous parlais d'une anecdote. L'anecdote de Belloum. L'anecdote de Belloum, c'est quoi? C'est que tout simplement. Je vous mettrai des screens, bah du coup je vais être obligé de faire un montage. Non, c'est chiant les montages. Bon, bref. L'anecdote, c'est que j'ai déjà parlé avec The Kairi 78. Oui, The Kairi 78, Big Burger, tout ça, quoi. Je lui ai déjà parlé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as parlé avec The Kairi? T'es trop famous. Arrête, tu vas avoir le million. Non, non. Du coup, pourquoi je lui ai parlé? Eh ben, c'est très simple. Si vous vous souvenez ou si elle est encore disponible sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo que j'avais d'abord mise sur Facebook. Bon, c'est très compliqué, hein, l'histoire. J'avais mis une vidéo, enfin, du moins, j'avais eu l'idée d'une vidéo qui, en gros, reprenait le concept d'une vidéo de The Kairi qui était Les Fantômes. Souvenez-vous, cette magnifique série qui était apparue sur la chaîne de The Kairi. Eh bien, j'en avais fait une vidéo moi-même. D'ailleurs, je vous mettrai soit la vidéo dans la description ou je vous mettrai un petit extrait. Bref. Enfin, je le mettrai à la fin de la vidéo. Et du coup, The Kairi avait vu cette vidéo, puisque je l'avais mentionné sur Facebook, etc. Et il y avait eu pas mal de j'aime, pas mal de partages, etc. Du coup, tout simplement, The Kairi m'a contacté. Oula, c'est quoi ça? The Kairi m'a contacté en message privé sur Facebook pour me dire, est-ce que je peux prendre ta vidéo? Elle m'a bien fait rigoler, etc. pour la mettre sur ma chaîne. Alors moi, bah, ma réaction, c'était. Bonjour. C'est toi le mec qui fait mieux. Oh, bah. Non, j'ai directement dit oui, en fait. Parce que, bah, voilà, passer sur la chaîne de The Kairi, ça aurait peut-être pourquoi. Ça m'aurait peut-être pourquoi pas permis de. Tu vois, level up, quoi, un petit peu. En sachant que ma chaîne n'avait même pas 1000 abonnés. Ou. Je sais plus combien j'avais d'abonnés à l'époque. Enfin, de toute façon, j'en ai pas beaucoup, hein. On va pas se le cacher. Du coup, je lui avais dit, ouais, vas-y, prends ma vidéo, je suis chaud, etc. Je lui avais envoyé le lien pour qu'il télécharge plus facilement, etc. Le problème, c'est que bah, j'ai jamais été upload. Du coup, j'étais triste. Mais en fait, le truc qui m'avait vraiment saoulé, c'est que. Bah, je connaissais le mec qui faisait les miniatures de The Kairi et il m'avait dit ouais t'inquiète, enfin The Kairi m'a demandé une miniature pour
pour ta vidéo justement. Et moi j'étais vraiment, putain les gars, je vais passer sur la chaîne de The Kairi quoi. Et j'avais même dit à Check Da Crew, à pas mal de monde, que j'allais passer sur la chaîne de The Kairi. Et au final, bah, il s'avère que je suis jamais passé sur la chaîne de The Kairi. Et bah au final, tant pis. Mais ça, je pense que ça m'aurait permis de level up un petit peu sur YouTube. Mais attention, du coup, moi je vous invite à envoyer cette vidéo à The Kairi, hein, pour qu'il revisionne mon ancienne vidéo et qu'il me dise un petit peu pourquoi il avait kiffé la vidéo. Bon, franchement, je connais déjà la réponse, mais ça serait cool de partager la vidéo, les enfants, parce que moi j'en ai marre de stagner, c'est chiant, c'est pas sympa, moi j'aime pas trop stagner, franchement, c'est pas super sympa. Donc, moi, si je peux vous conseiller de faire un truc, c'est de partager la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, parce que c'est toujours sympathique. Bon, je sais que c'est pas du Fortnite ou une nouvelle info ou mes couilles, mais vous inquiétez pas, ça arrive. C'était surtout pour vous prévenir, bah, de ce genre de vidéo qui pourrait, pourquoi pas, arriver très prochainement sur la chaîne. D'ailleurs, c'est bientôt les vacances, dans une semaine à peu près, enfin, il y a 7 semaines encore à faire, la semaine prochaine, et vendredi prochain, je suis en vacances. Donc, qui dit vacances, enfin, du moins les premières vacances scolaires, dit Paris Games Week. Et donc, normalement, si tout se passe bien avec Check Da Crew, nous allons à la Paris Games Week. Donc, j'espère rencontrer The Kairi là-bas. Hein. Si tu vois cette vidéo, bah, j'espère que tu me reconnaîtras. C'était moi le mec qui avait fait la vidéo où je casse un verre pour faire croire qu'il y a un fantôme dans ma maison. D'ailleurs, ça m'a coûté un verre. Bon, bah, voilà quoi. Je bois parce que sinon, après, j'arrive plus à parler. Et ça, par contre, c'était pas voulu. Du coup. Bah si The Kairi, tu passes par là, salut. Tu sais, tu te souviens de moi, j'ai fait le con à casser un verre, mais bon, bah du coup, tu m'as pas pris. Enfin bref, bah voilà, du coup, on sera peut-être, Inch'Allah, on croise les doigts, n'hésitez pas à marquer, on croise les doigts pour toi dans l'espace des commentaires, pour avoir les passes, ouais c'est ça, les passes VIP avec la Real Clan, Wakes, que je remercie encore une fois. Bonjour, salut Wakes, j'espère que tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas de la partager sur Twitter. Du coup, merci Wakes de nous, pourquoi pas, permettre d'aller gratuitement à Paris Games Week grâce à la Real Clan, qui, par la même occasion, vient d'atteindre les 72 000 abonnés, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle. Et c'est vraiment plutôt maqué bueno. D'ailleurs, aussi, faut que j'arrête de roter. Moi et Check Da Crew, on va devenir un petit peu plus actifs sur la Real Clan. Alors, comme vous le savez, on avait décidé de lancer la Team V-Bucks, qui comprenait tout simplement moi, Belloum, Dimitri, hein, pour les intimes, ainsi que Check Da Crew, Jimmy, pour les intimes, et ainsi que Spassi, a.k.a. Nabil, pas Larèche, non. C'est pas Ekelio, c'est Nabil au Maroc. Bah oui, du coup, mais il habite pas au Canada, il habite au Maroc, au Bled, quoi. Mais du coup, c'était Nabil. Et du coup, bah, on était à trois dessus. Nabil était beaucoup actif. Moi, j'avais pas fait de vidéo. Ou. Non, j'avais pas fait de vidéo. Et Check Dacro avait fait une vidéo aussi, si je me trompe pas. Et du coup, on avait fait, bah, on avait fait quelques petits abos. On avait, je crois, 30 abonnés pour. Pas beaucoup dû, hein. Concrètement, ça puait un peu du cul. Mais du coup, bah voilà. On avait fait cette petite chaîne et du coup, bah, y a Wex qui nous a dit, ouais, les gars, ça serait cool qu'on soit un petit peu plus actif sur la Real, enfin, du moins que ça tourne un petit peu plus, parce que c'est souvent lui qui commente. Donc, du coup, voilà, on va être un petit peu plus actif sur la Real Clan, moi, Jimmy et Nabil, enfin, du moins Spassi, parce que bon, voilà. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je sais pas si je ferai un coup. Ou si je mettrais une musique, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu, parce que c'est trop sympa. Et moi, j'espère que vous aurez aimé ce petit concept de vidéo qui commence à faire son apparition sur la chaîne de Belloum. Du coup, moi, je pense que je vais la mettre brute. Hein, tu vois, il n'y a pas de complications, pas de montage. Au moins, comme ça, vous pourrez voir la magnifique 720p 60 fps, ou peut-être 1080p 60 fps, si c'est possible. Moi en tout cas, je vous dis à tous à très bientôt. C'était Belloum. Et bien sûr, à plus tout le monde. Hein? Allez, ciao, bye bye. J'arrive pas à couper.